Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, nous sommes là pour parler d'un sujet très important. Nous venons de recevoir cette vidéo d'un pasteur qui a été molesté, vilipendé sur Internet parce que ce pasteur a voulu être vilipendé. Donc, pasteur Mougousseur. Vous savez, la Bible nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce corps-là est un danger, ce corps-là est mauvais et ce corps-là est un piège. Et beaucoup de personnes aujourd'hui accordent de l'importance à ce corps. Mais ce corps peut vous détruire, ce corps peut vous amener très loin. Alors, ce pasteur est parti dans la maison d'une dame, allant faire une délivrance, mais on n'a pas compris, on l'a trouvé en caleçon. Pasteur prostitué. Et voilà que cette dame voulait piéger ce pasteur. Elle a invité le pasteur à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le pasteur est arrivé. Il a enlevé ses habits. Et on est venu trouver le pasteur tout nu dans cette maison. Triste réalité. Triste réalité. Nous parlons depuis des jours. Depuis des années. Depuis des mois. Nous continuons à dénoncer ces personnes. Mais vous êtes toujours là derrière eux, à les acclamer, à les élever. Mais regardez comment on vous traite. Si quelqu'un est capable de venir chez vous, de se déshabiller pour coucher avec votre femme, vous pouvez imaginer de quoi il est capable. Voici un pasteur moutakalisé sur Internet. C'est le nom de Dieu qui va en mal. Ce sont des païens qui restent encore païens. Ce sont des personnes qui vont fuir l'Église. Et c'est la maison de Dieu qui s'est fait encore une fois insulter à cause de faux pasteurs. Vous voyez quand on parle, vous nous dites de ne pas parler. Vous voyez quand on parle, vous nous dites de ne pas nous exprimer. Il faut regarder, vous voyez. Quand on vient ici, on s'exprime, vous nous dites ne vous exprimez pas. Policier de l'évangile, tu es un menteur, vous voyez. Donc vous voulez rester avec les pasteurs qui couchent avec vous? Les pasteurs qui vous déshabillent, c'est ce que vous voulez. Nous qui disons la vérité, vous ne voulez pas. Nous allons lire un verset biblique. 2 Timothée 3, verset 6 nous dit, « Certains d'entre eux... » Nous allons partir d'abord dans le vrai verset. Je veux qu'on aille dans... On revient en arrière un peu pour que je puisse mieux le situer. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui à l'église, mais vous savez, comme moi, je dis toujours... J'ai dit à mes frères Armando, je crois qu'on va vous laisser souffrir entre les mains des pasteurs. Parce que je pense que vous aimez ça souffrir. Toi, maman, tu veux que le pasteur te lave. Je pense que c'est mieux qu'on te laisse te faire laver. Toi, jeune garçon, je pense que tu aimes beaucoup papa spirituel. On va te laisser avec ton daddy. Nous, on va prêcher la parole. On va vous laisser. Parce que nous avons parlé en congolais, en chinois, je ne sais pas, on va parler en quelle langue? En hébreu. Mon contamatique, on va parler en quoi? Parce qu'on a parlé en tout. Mais vous n'écoutez pas. 2 Timothée 3, verset 4 dit... Verset 3 dit... Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là, chrétiens. Verset 6. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captifent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Les passions de toute espèce. Des pasteurs qui font des orgies. Des pasteurs qui couchent avec des filles de leur chorale. Des pasteurs qui couchent avec la sœur qui dirige la chorale. Des pasteurs qui couchent avec les mamans de l'église. Mais quand on vient parler, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Vous ne voulez pas qu'on ouvre nos bouches. Regardez comment on vous traite. Regardez. Regardez votre pasteur, comment on l'a attrapé. Regardez bien. Il est pasteur. Regardez. Jésus a dit, un berger s'occupe des brebis. Mais vous êtes des bergers qui mangent les brebis. Des bergers qui détruisent les brebis. Des bergers qui prennent l'argent des brebis.
des bergers qui couchent avec les brebis. Je n'ai jamais vu un berger coucher avec une brebis. C'est sale, c'est de l'animosité. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Les hommes de Dieu ne peuvent pas retenir leurs deux jambes. Les hommes de Dieu ne peuvent pas retenir leur sexe dans leur place. Aujourd'hui, le combat des pasteurs, c'est le sexe. Les femmes. Le diable utilise la femme pour détruire les hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont détruits aujourd'hui à cause de la femme. À cause de la femme. Et vous aussi, nos mamans. Nos mamans. Pourquoi vous accordez tellement d'importance à ces personnes? Pourquoi? Dieu t'a donné une Bible. Il t'a donné une bouche. Mais c'est pour prier. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Mets tes deux genoux par terre et prie le Dieu qui est dans le ciel. Il va t'exaucer. Tu as besoin d'appeler un pasteur chez toi. Tu as besoin d'appeler un pasteur. Donc cette dame a connu ce pasteur sur Internet. Et elle a connu aussi, ils étaient en train de parler, de discuter. Et cette dame a dit, j'ai un problème chez moi à la maison. Le pasteur a dit, je vais venir prier. Alors que le pasteur, dans sa tête, il avait ses idées. Il avait les idées dans sa tête. Donc la sœur a invité le pasteur est entré. La sœur s'est déshabillée. Elle est restée en panne. Et le pasteur aussi a enlevé les habits. C'est là, vous l'avez vu là-bas, en petite culotte de moineau. Hein, culossette de moineau, pasteur Mougousseur. Il était déjà prêt. Ces gens-là sont pressés. Ils avalent des pilules, des Viagra, des Bomangana Tongo, Tatiwata, des médicaments lourds pour tuer les femmes déjà dans les lits, pour mordre les mamans d'autrui. Pas de respect pour la femme. Et regardez, il est venu, il s'est déjà déshabillé. Il était déjà prêt à sauter sur la femme. Lorsque la femme avait déjà organisé cette réunion avec sa famille, elle a appelé sa famille et sa famille a débarqué. Et là, vous avez vu comment ils ont sauté sur ce pasteur qui s'appelle, qui a écrit le nom de son ministère, Ministère Parole du Salut, Louvoutou. Je vais afficher ça. Ministère Parole du Salut, Louvoutou. Il a affiché ça. Et c'est comme ça qu'il a été exposé. Moi, j'ai dit bravo. Bravo à cette brave dame qui a exposé cet homme de Dieu physiquement. Parce que vous qu'on parle ici, ne touchez pas au oint de Dieu. Ne touchez pas. Nous sommes les nounours de Dieu. Nous sommes les voyous de Dieu. Nous sommes les menteurs de Dieu. Nous sommes les bandits de Dieu. Nous sommes les orgueilleux de Dieu. Voici les gens que vous appelez oint de Dieu. Oui, voici. Voici, ça c'est un seul. Ils sont nombreux. Dans cette vidéo, ils vont regarder. Ils sont nombreux qui couchent avec leurs filles spirituelles. Ils sont nombreux qui couchent avec des mamans actionnaires des églises. Ils sont nombreux là. Il y a un ami qui me disait même, il y a un pasteur maintenant, lui il couche avec les mamans des églises, les mamans légionnaires, les mamans qui ont l'argent à l'église là, qui sont célibataires. Il va, il couche, il prend l'argent. Il couche, c'est le business de certains pasteurs aujourd'hui. Coucher et puis on le paye. Ce sont des prostituées spirituelles. Un pasteur prostitué, regardez-moi ça. Un homme qui est facilement démontable. Tu enlèves tes habits si facilement devant une femme. Joseph, lorsque cette femme de Potiphar l'avait attrapé, il a fui. Il a laissé sa robe. Aujourd'hui, on dit, je vais servir Dieu. Mais dès que la femme de Potiphar te touche, tu cherches préservatif. Et ce pasteur a dit à cette femme, lui, il ne fait pas l'amour avec les préservatifs. Lui, il ne fait pas des préservatifs. Lui, il veut faire comme ça. Délivrance coropo. Coropo. On a vu pasteur embrasseur, pasteur boxeur. Maintenant, on voit pasteur mougousseur. Donc, il vient livrer ses services chez vous à la maison. Regardez-moi ça. Regardez, oh. Regardez la vidéo. Oh. Ne me regardez pas. Regardez la vidéo là. Vous allez regarder. Parce qu'on parle beaucoup ici, on a parlé en toutes les langues. Vous nous avez insultés. Regardez, pasteur, là. Mon dernier message aujourd'hui, c'est pour d'abord nos mamans et nos sœurs. S'il vous plaît, nos sœurs. Vous êtes la lumière de demain. Maman, donne de l'importance à ton mari. Donne l'importance à ta famille. Laisse l'histoire de suivre les pasteurs. Laisse le fanatisme, s'il te plaît.
Aujourd'hui, 95% de ces pasteurs, ce sont des impulsifs, des personnes osées sexuellement, des gens qui ne se contrôlent pas devant le sexe. Ce sont des masturbateurs, des personnes qui ont un problème. Alors maman, arrête de t'accrocher à un pasteur, accroche-toi à Jésus. Ouvre ta Bible, maman. Lis, cherche la face de Dieu. Prie, dis Seigneur, parle-moi. Dieu est capable de te parler. Voilà. Deuxième message, c'est aux hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Les pasteurs vont très mal. Ils ont besoin de psychologues. Oui. Je le dis parce que nous avons vu beaucoup de scandales et ça continue de se multiplier. Les pasteurs ont besoin de psychologues, s'il vous plaît. Cherchez un psychologue pour les pasteurs. C'est terrible. C'est terrible de voir quelqu'un qui s'est fait appeler pasteur, tout nu, exposé sur YouTube. Même les païens sont en train de parler de ça. Mais quelle leçon, vous les hommes de Dieu, vous allez nous donner à nous les jeunes? Quelle leçon? Quelle leçon? C'est triste. C'est triste de voir ce qui se passe. Regardez. Regardez. Alors, le conseil que j'ai à donner aux hommes de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes surveillés. Vous êtes surveillés. Ne suivez pas les femmes que vous voyez sur Internet, là. Les femmes, là. Les mêmes personnes qui vous appellent daddy, là. C'est qui vont vous faire tomber. Les mêmes filles qui vous appellent daddy, c'est qui vont vous porter plainte pour harcèlement sexuel. Les mêmes filles, là. Ne fiez pas votre ministère aux gens qui likent vos vidéos. Ne fiez pas votre ministère aux gens qui sont vos followers. Les followers, là, c'est les mêmes qui vont t'insulter. C'est les mêmes qui vont te rejeter. Homme de Dieu, cherche à faire la volonté de Dieu et non la volonté de quelqu'un. Non. Alors, les amis, prions pour nos pasteurs. Prions pour les évangélistes. Ils ont des sérieux problèmes. Quand je dis sérieux, je sais de quoi je parle. Il y a un pasteur qui m'a appelé une fois, il dit, lui, il ne laisse pas la masturbation. Il a une église de près de 1500 personnes. Mais il se masturbe matin, midi, soir, comme si c'était la désintoxication sexuelle. Alors, je priais pour lui, je lui ai dit de prendre un temps dans la prière, dans le jeûne. Là, il a fait 5 jours de jeûne. Et on a prié ensemble. Et il a arrêté. Alors, c'est pour vous dire que les pasteurs ont tellement de problèmes qu'ils ont honte de vous le dire. Alors, quand nous, on vient ici pour les dénoncer, ils se mêlent contre nous, mais en cachette, ils savent de quoi ils souffrent. Ces pasteurs-là, ils avaient un problème avec les femmes. Ils ne pouvaient pas y aller. Et puis, il dit, elle-même, elle m'a appelé, elle-même, elle m'a appelé. Mais tu es un homme de Dieu. Une femme t'appelle. Pourquoi tu vas aller chez elle? Appelle-la au téléphone. Moi, voilà pourquoi moi, quand tu m'appelles par WhatsApp, j'enregistre ton appel. Je cherche à avoir tes informations parce que demain, si tu te lèves et rencontres n'importe quoi sur moi, j'ai ton appel avec moi. Alors, homme de Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. Car demain, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Dieu va nous poser des questions par rapport à ce que nous avons fait. Dieu va nous poser des questions par rapport à ce que nous faisons. Dieu va nous poser des questions par rapport aux gens qui suivent nos vidéos, aux gens qui viennent autour de nous. Dieu nous posera des questions. Oui, il y a des gens qui demandent, mais Will Gospel, toi là, tu vas rendre compte à Dieu. Je vais rendre compte à Dieu. Je sais. Je sais que toutes les vidéos que je fais, je rendrai compte à Dieu. Je ne suis pas dupe. Alors, ouvrons nos yeux. Et laissons Dieu prendre part et rester et agir avec nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette vidéo, je suis triste et peiné, mais parce que vous n'écoutez pas. Vous là, vous n'écoutez pas. Si vous écoutiez, on n'allait pas arriver à ça. Écoutez, fouillez ces hommes-là. Sortez de leurs églises. Sortez de ces bâtiments qui vous détruisent. Qui vous détruisent. 2 Timothée 3, verset 7 dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ces personnes ne connaissent pas la vérité. Voilà pourquoi quand on vient prêcher la vérité dans nos chaînes, ils sont fâchés. Ils nous vilipendent. Alors qu'on n'a pas volé l'argent de quelqu'un. On n'a rien fait, mais c'est eux qu'on attrape dans les maisons des femmes. Quand on vient les dénoncer, vous vous fâchez. Maintenant, vous vous fâchez pourquoi? Toutes les choses sont ouvertes. Regardez comment on les expose.
Mais quand on parle, les gens vont dire, ne touchez pas à mes oins. Parce que nous sommes les poupées de Jésus. Nous sommes les chaussettes de Jésus. Nous sommes les cheveux de Jésus. Je ne comprends pas. Alors, ouvrons nos yeux. Maman, ferme ta porte au pasteur. Papa, fermez vos portes. Vous voulez chercher Dieu. Pliez vos genoux dans la chambre. Cherchez Dieu. Fini ces temps-là, on pensait que Dieu était dans un temple et bâtiment. Dieu est aussi dans vos cœurs. Alors, il est capable d'agir en vous. Arrêtez de dépendre des hommes. Dépendez de Dieu. Car si vous dépendez des hommes, vous devenez leurs esclaves. Et un esclave ne fait que la volonté de son maître. Voilà pourquoi beaucoup se font laver. Beaucoup achètent des autocollants onctionnés. Et beaucoup ne sont pas libres. Parce que vous vous laissez diriger par les faux pasteurs. Que ça cesse aujourd'hui. Et que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous. On se voit demain avec la vidéo et le frère Armando. Merci à ceux qui vont aimer cette vidéo. Partagez-la. Permettez à tout le monde de savoir qu'il y a des pasteurs mougousseurs qui se sont levés. Attention. Et leurs biscuits là, ils veulent tremper ça partout. Alors que Dieu a dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, ça va vous détruire. Les désirs de la chair va vous amener en enfer. Les désirs de la chair va retirer l'onction que Dieu a mis en toi en tant que choisi de Dieu. Alors, évitez de vous mettre dans des situations qui fera la honte à Dieu. Nous allons lire un passage avant de finir. Nous allons lire ce verset-là que j'aime bien. Matthieu 18, verset 5 à 9 nous dit quelque chose. Nous dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir des pieds ou des mains d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie ayant un œil que d'avoir deux yeux. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Aujourd'hui, les scandales n'arrivent qu'au pasteur. Sexy boy, demain c'est le 28. Nous allons revenir sur toi. Tu as dit qu'il va y avoir des morts. En tout cas, nous, on va t'expliquer.